C'est quoi, papa? J'ai rangé le grenier, tout ça c'est à jeter. Je vois quelque chose. Oh, mon canard! Je jouais avec quand j'étais petit. Mais tu es tout sale, il faut te laver. Tu es un beau canard maintenant. Viens, on va jouer dehors. Et roule, roule le coin-coin. Oh, j'ai une idée. Coin-coin. Coin-coin-coin-coin. Tiens, tiens, mais qu'est-ce qu'il y a dans le jardin? Maman est bien attrapée. Elle croit que c'est un vrai canard. On dirait qu'il y a un petit canard par ici. J'ai trouvé ce coquin de coin-coin. Coin-coin-coin. Coin-coin-coin-coin. Oh, ça fait un château rigolo comme ça. Coin-coin-coin-coin-coin. Coin-coin-coin. Coin-coin. Tu es un canard, Trotro? Coin-coin. Tu ne sais plus parler? Coin-coin. Et moi, je fais... Coin, coin. On va faire un orchestre, écoutez. D'accord. Chanson. Ouais, bravo l'oiseau. Oui, oui, bravo. Maintenant, il faut saluer le public. C'était l'orchestre, les amis de Trotro. Et voici, mesdames et messieurs, l'incroyable Nounours qui va faire un numéro de trampoline. Doing, doing, doing. Bravo, 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 Nounours. C'est l'heure de dormir, Trotro. Attends, maman. Je lis une histoire à Nounours avant. Oui, Trotro. Nounours ne veut pas s'endormir si on ne lui lit pas une histoire. Tu sais lire, Trotro? Bien sûr que je sais lire. Un nounours, je sais bien lire. Pour lire, on prend une grosse voix comme ça. Là-bas, très loin, au milieu de l'Afrique. Je ne sais pas lire les mots en vrai, mais l'histoire... Je la connais. Je sais tout ce qui se passe dedans. Très loin, au milieu de l'Afrique, un zèbre rencontre une girafe. Et voilà, l'histoire est terminée. Tu ne dors pas, Nounours ?
Ça veut dire que l'histoire t'a plu. Je t'ai dit que c'était l'heure de dormir, Trotro. Tu veux que je te lise une histoire avant d'éteindre? Pas cette histoire, on l'a déjà lue. Il y a bien longtemps de cela, à l'époque des fées et des sorcières... Si Nounours s'est endormi, c'est parce qu'il n'aime pas cette histoire. Tu la lis moins bien que moi, maman. C'est vrai, tu lis très bien, mon fiston. Bonne nuit, Trotro. Bonne nuit, Nounours. Va chercher le tuyau, Trotro. J'y vais. Tu peux ouvrir le robinet, Trotro. Monsieur le Rouge. Vite, à la pêche. Oh, raté. Oh, encore raté. Tu n'es pas gentil, le Rouge. Je vais essayer le vert. Oh. Papa, papa. Qu'est-ce qui ne va pas, Trotro? Les poissons, ils ne veulent pas se laisser attraper. Essaie d'être un peu patient, Trotro. Et tu vas y arriver. Voilà. Oh. Comme ça. Ouais, un poisson. Oh, un deuxième. Et tout seul, celui-là. Oh, Trotro, je peux jouer avec toi? Je suis très fort à ce jeu. Fais voir. Et voilà. Donne, c'est ma canne. Hé, hey. Je suis bête, moi aussi j'en ai un de jeu de pêche. Je vais le chercher. On fait un concours? D'accord, c'est moi qui vais gagner. Prêt? Partez! Un poisson! Un canard! Un poisson! Un canard! Oh! Vous faites un concours de pêche? Mm-mm. Moi aussi, je veux jouer à la pêche avec vous. Attention! Ah, Lily, tu m'as fait rater mon canard. Et le poisson rouge. Ce n'est pas juste. Hé, Lily, un seul jouet à la fois, sinon c'est trop facile avec ton épuisette. D'accord. Bon, on remet tout à l'eau et on recommence le concours tous ensemble. D'accord. D'accord. Trotro, Lily, Boubou, venez goûter. Oh. Il y en a du monde dans la piscine. Ce sont mes poissons. Ah, ils ont invité plein de copains à goûter. Il pleut trop fort, on ne peut pas jouer dehors. Peut-être que si on dit « Stop pluie », tous les deux ensemble, elle va s'arrêter. Allez, à trois. Un, deux, trois. Stop pluie ! Ça ne marche pas. Eh bien, ça n'a pas l'air d'aller tous les deux. Il pleut et on ne sait pas à quoi jouer. Vous pouvez jouer aux animaux devinettes, par exemple. C'est quoi les animaux devinettes? Eh bien, j'imite un animal et vous devez deviner lequel c'est. Cote, cote, cote. Une poule.
Oui, c'est bien. Continuez tout seul pendant que je vais préparer votre goûter. C'est moi qui commence. Quoi? Quoi? C'est une grenouille. Gagné, à toi de faire. Quoi? 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 Facile, c'est un canard. À moi. Miaou, 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 miaou. Je sais, tu es un chat. Oui, comme ça je te mange, petit canard. Oh, je ne suis plus un petit canard, je suis un gros chien. Rah, rah, rah. Miaou. Ouf, ouf. Tu ne peux pas me rattraper parce que maintenant je suis un cheval. Tagadak, tagadak. Si, je peux te rattraper parce que je suis un loup maintenant. Et moi, je suis un papa ours qui veut lire son journal tranquillement. Même si le loup m'attrape, je ne crains rien. Parce que maintenant, je suis un tigre. Tu ne peux rien faire contre moi, je suis très fort. Je suis un éléphant. Pom, 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 pom. Eh bien moi, je suis un éléphant tigre. Mais ça n'existe pas, un éléphant tigre. Maintenant si, ça existe, puisque je l'ai inventé. Le goûter est prêt, les enfants. Voilà les garçons, je vous ai préparé de bonnes petites tartines. Nous, on ne veut pas de petites tartines, on en veut des grosses parce qu'on est des gros éléphants. Pas vrai, Boubou? Oui, même que Trotro, c'est un éléphant tigre. Je suis grand, je fais les courses tout seul. J'aime bien faire les courses. J'adore choisir moi-même. Je sais tout ce qu'il faut pour la maison. Et ça, il en faut. Celui-là, hop, dans le chariot. Et celui-là, hop, pour Trotro. Un paquet bleu et un paquet rouge. Celui-là, je le prends pour maman. Et celui-là, pour papa. Des fois, c'est trop haut. Il me faut mon papa. Papa! Papa! Mais... Papa! Je suis là, Trotro! Trotro! Oh! Je ne te voyais plus. Je t'avais dit de rester à côté de moi, Trotro. Maintenant, on ne se quitte plus. J'aime bien aussi faire les courses avec papa. Oh là là, Trotro, des gâteaux, des brioches, des bonbons. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Tu ne crois pas que c'était un peu trop, mon Trotro? C'est tout ce qu'il faut prendre pour Trotro. Oh. Et le prince embrassa la princesse. L'histoire est finie, Trotro. C'est l'heure de dormir maintenant.
Reste encore un peu avec moi, papa, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a, Trotro ? Tu n'es pas bien dans ton lit ? Si, mais je n'aime pas être tout seul dedans. Tu n'es pas tout seul. Mouah ! Nounours dort avec toi. Mais j'ai un peu peur, moi. Nounours, ça ne suffit pas. Maman a les pieds tout chauds et papa ronfle tout le temps. Ici, on est vraiment bien. Oh, notre Trotro exagère. En plus, il prend toute la place. Oh non, le revoilà. On ne va jamais arriver à dormir. Trotro est grand maintenant. Il doit comprendre qu'il doit dormir dans son lit. Papa, maman, où êtes-vous ? Oh ! Mais c'est pas votre lit. Oh ! C'est fou ce que nous avons bien dormi. Sortez de là tous les deux. Oh ! Alors, le loup repartit dans la neige. Et voilà, l'histoire est finie, Trotro. C'est l'heure de dormir maintenant. Alors pourquoi tu restes là ? Tu ne vas pas encore me prendre mon lit cette nuit, j'espère. Bonne nuit, Trotro. Surveille bien ton lit. Bonne nuit, papa. Tu as vu, Lily ? Aujourd'hui, Trotro a la tête ailleurs. Il pense à son amoureuse. C'est Nana, son amoureuse. Maintenant, il veut toujours jouer avec elle. La 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 la. Ah, Nana ! La 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 la. J'aimerais bien qu'elle me regarde. La 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 la. Là, là. J'espère qu'elle voudra bien jouer avec moi cette fois. Youpi ! Aïe ! J'aimerais bien lui parler, mais je n'ose pas. J'aimerais bien qu'elle vienne jouer avec moi. Tu veux faire de la balançoire ? Non, je vais me salir. Tu veux que je te prête mon vélo ? Non. Je vais déchirer ma robe. Tu veux jouer avec Nounours ? Non. J'ai ma maman. Tiens, c'est pour toi. Elle n'est pas très belle, ta fleur. Un château ? Eh bien oui, mais il n'est pas assez grand. La 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 la.
Je m'ennuie toute seule. Ils ont l'air de drôlement bien s'amuser tous les deux. Dis, Trotro, je peux jouer avec vous? D'accord. Et voilà, plein de sable pour un grand château. Moi, je m'occupe de l'entrée du château et j'irai chercher un bon chemin pour faire un drapeau. Aujourd'hui, je vais m'habiller tout seul. Bah, où sont passés mes vêtements? Maman a oublié de préparer mes habits. Tant pis. Je vais les choisir moi-même. Il y a tout ce qu'il faut dans mon placard. Ça va être amusant de mettre plein de vêtements. Je commence par la culotte et le pantalon. Le t-shirt. Et après, le pull. Maintenant les chaussettes. Enfin, les chaussures. Pas celles-ci, elles sont trop difficiles à mettre. Pas celles-là, elles font trop mal aux pieds. Les bottes, c'est ce qui est le plus facile à mettre. Hop, il suffit de mettre les pieds dedans, ça glisse tout seul. Quand on va dehors, il faut un manteau. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon bonnet, mes moufles. Maman les avait cachées là. Nounours aussi doit s'habiller. Et voilà, Nounours, on est prêt. Mais... oh là là, j'ai trop chaud. Oh! Viens dans l'eau, Trotro, ça fait du bien. Mais... c'est vrai, on est en été. J'avais oublié. Maman m'avait préparé mon maillot de bain. Ah, ça va plus vite de s'habiller quand c'est l'été. Trotro, tu me passes le crayon rouge, s'il te plaît? Non, je ne peux pas, j'en ai besoin. Alors passe-moi le jaune. Non, je vais en avoir besoin juste après. Bon, passe-moi le crayon dont tu ne te sers pas, alors. Non, ce sont mes crayons et j'en ai besoin pour mon dessin. Tu n'as qu'à jouer à autre chose, Lily. Touche pas au volant, il est fragile. Tu vas le casser. Non, pas celui-là, c'est mon préféré. J'ai envie de le regarder maintenant. Non! Pas ma trompette! Oh! Lily! Ah. Donne-moi mon avion!
ballon. Bravo, tu as gagné, Trotro. Tous les jouets sont tombés. Ce sont mes jouets. Eh bien, je vais aller prendre mes jouets. Lily, tu peux me prêter tes rollers? Ah non, je m'amuse trop bien. Oh, Lily, laisse-moi essayer. Non, ce sont mes rollers. Je te prête tous mes crayons pour ton dessin. Non, je n'ai plus envie de dessiner. Tiens, je te prête aussi tout ça. Non, ils ne sont pas aussi bien que mes rollers. J'ai trouvé! Je te prête mon camion à roulettes et ma trompette pour faire le klaxon. D'accord. Un petit camion veut passer. Waouh! Se prêter les jouets, c'est plus rigolo. J'ai une idée, ça va faire une belle cabane. Ce sera ma cabane à moi. Je vais m'installer tout de suite avec Nounours. Oh! La 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 la. On est bien dans notre cabane, hein, Nounours? Vraiment bien. Tu es là, Trotro? Oui, tu as vu ma cabane, Lily? Elle est très belle. Ça doit être rigolo de jouer là-dessous. Je peux venir avec toi? Impossible. C'est beaucoup trop petit pour deux. Enfin, pour trois. Tant pis, je vais chercher une autre cabane. J'ai trouvé une très grande cabane. Bonjour, voisin. Bonjour, voisine. Elle est belle, ta cabane, Lily, mais j'aime mieux la mienne. Chez nous, c'est plus petit, mais on est bien. Hein, Nounours? Oh, Nounours, où es-tu? Oh, 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 aïe. Ma cabane, elle est toute raplapla. Tu peux venir dans la mienne, elle est assez grande. J'ai une idée. Lily, viens m'aider. Voilà, Lily. Ta cabane est encore plus jolie comme ça. Bravo, Trotro. Hé, regarde, on peut même faire une entrée. Ah. Nounours, tu viens avec nous? C'est notre cabane à tous les trois. Dépêche-toi, Trotro. Viens faire du vélo. J'amène Nounours. Jusqu'à l'arbre et on revient. Oui, d'accord. J'arrive. Oh. Regarde, Lily, je fais du vélo sans la main gauche. Moi aussi. Hop. Regarde, Lily, je fais du vélo sans la main droite.
Moi aussi. Regarde, Lily, je fais du vélo sans les mains. Pas moi. Oula. Ah. Oula. Et maintenant, encore plus difficile. Regarde, Lily, sans les mains et sans les pieds. Attention, Trotro, tu vas... Ouais. Ah. Aïe, tombé. Tu t'es fait mal? Un peu. Le vélo est tout cassé. Viens, on va voir ta maman. Tu viens, Trotro? Oui. Maintenant, c'est le vélo qui fait de l'âne, Trotro. Maman, je peux aller jouer dehors? Il pleut très fort, Trotro. Ce n'est pas une bonne idée, tu vas être tout mouillé. Oh, ça y est. Viens, Nounours. Il ne pleut plus. On va jouer dehors. Ce qui est bien avec les bottes, c'est qu'on peut marcher dans les flaques d'eau. On n'a pas les pieds mouillés. C'est rigolo, on est dans l'eau et on sent ses pieds tout chauds. On peut même sauter un peu. Même beaucoup. On peut même faire des glissades. Youpi! Une autre! Youpi! Ouais. J'ai de l'eau dans mon pantalon et même dans ma culotte. Oh, c'est froid. Et à force de sauter, il y a un peu d'eau qui est entrée. Une dernière. Ouais. Cette fois, on est vraiment tout trempé. Et quand on est trempé... On est aussi glacé. Viens, Nounours, rentrons au chaud. Tiens, il pleut encore. Mais tu es tout mouillé. Va vite te changer, te sécher devant la cheminée. Mm-mm.
Je vais faire un gâteau, Trotro. Est-ce que je peux faire un gâteau, moi aussi? Bonne idée, mon Trotro. Pour faire un gâteau, il faut de la farine. Pour faire un gâteau, il faut aussi des œufs. Oh. Fais attention, Trotro, il n'en reste plus que deux. Pas facile de casser des œufs. Bravo, Trotro. Pour faire un gâteau, il faut du sucre. Un peu, beaucoup, mais pas trop, trop. Touille, touille, je fais de la patouille, touille. Tiens, mon Trotro, le rouleau à pâtisserie. Et roule, petit rouleau, roule. Des petits trous. C'est encore plus rigolo avec des fourchettes. Tic. Je vais mettre plein de bonnes choses sur ma pâte. De la sauce tomate, il en faut beaucoup. Du fromage râpé, comme s'il en pleuvait. Ça y est, mon gâteau est prêt. Ne touche pas au four, Trotro, c'est très chaud. Maman a mis mon gâteau au four, juste à côté du sien. Ça sent déjà très bon. Maman, mon gâteau est cuit. Et voilà le très beau gâteau de Trotro. C'est papa qui va goûter mon gâteau en premier. Bien sûr. Il a l'air très bon. Ah. Ton gâteau, Trotro, ce n'est pas un gâteau. C'est une pizza. Une très bonne pizza. Oui, c'est la pizza Trotro. Bonjour, monsieur le facteur. C'est un paquet pour Trotro. Un paquet pour moi? Vite, donne, maman. Ça vient de mamie. Je me demande ce que c'est. Oh, maman! Un cerf-volant, j'en voulais un, justement. Mamie est très forte, elle a deviné. Allez, vole, petit cerf-volant! Eh bien, pourquoi tu ne voles pas? Papa, mon cerf-volant, il ne veut pas voler. Tu as essayé de le lancer face au vent? Parce qu'il faut du vent pour faire voler un cerf-volant. Mais oui, c'est indispensable. Viens, je vais te montrer. Vas-y, cours, Trotro, cours! Tire sur la ficelle! Oh! Oui! Oui, mon cerf-volant! Si tu tires un peu, il s'agite. Oh! Mais si tu vois qu'il va retomber, tu cours pour le faire rester en l'air. Tu as compris? Vite, cours! Et surtout, ne lâche pas la ficelle! Par ici et par là! Oh, Trotro, tu as un beau cerf-volant! Oui, tu as vu? C'est mamie qui me l'a envoyé! Oh, il est tombé! Ça n'est pas grave. Tiens, Lily, tu cours face au vent. Et quand je te le dis, tu le lâches. Cours, Lily. Lâche-le. Oh! Oui! Oui! Bravo, le petit cerf-volant. Oh! C'est trop.
Je vais chercher papa. Vite, vite, papa. Hein? Bravo, oui. Papa. Bravo, papa. Merci, papa. Tu m'aides à le faire voler? Il n'y a plus de vent, trop. En attendant, rentre jouer à la maison avec Lily. Oui, ne quitte pas, je te passe trop. Tiens, trop, c'est mamie pour toi. Allô, mamie? Merci pour mon cerf-volant, il est très beau. Mais la prochaine fois, tu peux me l'envoyer avec un peu plus de vent? Il fait chaud. Oh, les fleurs, qu'est-ce qu'elles ont? Regarde, nounours, elles ont l'air fatiguées. Elles ne sentent plus très bon. Oh là là, il fait trop chaud. C'est bon l'eau quand il fait chaud. Les fleurs, elles aussi, elles ont besoin d'eau. Je vais leur donner à boire. Oh. Oh. C'est lourd. Oh. C'est pas le sable qui a soif, ce sont les fleurs. Avec le tuyau d'arrosage, ce sera plus facile. Tiens, nounours, tu vas m'aider. Hop. Et... Oh. Ah. Oh. Ah. Toi, tu as bu. Mais pas les fleurs. Doucement. Il faut beaucoup de seau d'eau. Vous êtes trop nombreuses, je n'y arriverai jamais. Oh. Hein? Oh. Je crois qu'il va pleuvoir. Oui, 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 il pleut. De l'eau, de l'eau. Regarde, nounours, les fleurs sont sauvées. Merci la pluie qui nous rafraîchit. Merci, madame la pluie. J'ai perdu nounours. Mais où est-il? Ah! Dans ce buisson, peut-être. Nounours, tu es là? Où te caches-tu? Mais où peut bien être nounours? Maman, j'ai perdu nounours. Il a disparu. Tu as bien cherché dans toute la maison? Oui, partout. Cherche un endroit auquel tu n'as pas encore pensé, trop. Bonne idée! Peut-être que nounours se cache sous le fauteuil de papa pour me faire une farce. Nounours n'est pas là. Peut-être que nounours prend son bain.
nounours n'est pas là non plus. Peut-être que nounours a faim. Qu'est-ce que tu cherches là-dedans, Trotrot? Eh bien, je cherche nounours. Mais il ne peut pas être là, voyons. Ferme tout de suite la porte. Mais où alors? Nounours est perdu. Pour toujours. Nounours est forcément quelque part, il suffit de réfléchir. Bois ton lait, Trotrot, cela te fera du bien. Oh. Quel jour on est aujourd'hui, maman? Dimanche, Trotrot, pourquoi? Ah, je l'ai trouvé! Ouais, youpi! Où était-il caché? Nounours était dans ton lit, voyons, maman. Tu sais bien que le dimanche, Nounours aime bien faire la grasse matinée dans le lit de papa et maman. Mais oui, bien sûr. Mon petit Nounours, je t'ai retrouvé.